Vous nous présentez aujourd'hui ce collectif citoyen. Pourquoi l'avoir créé ? Alors, ce n'est pas un mystère que tout n'est pas magnifique dans le royaume de Nyon. Et ce qu'on voulait, nous, c'est avoir un vent de renouveau, un vent positif qui permette à tous les citoyens de Nyon, toutes les citoyennes de Nyon, de venir ensemble sans distinction de parti politique ou de clivage habituel et simplement avoir des espaces pour discuter, pour réfléchir à comment est-ce qu'on va passer outre ce moment et créer quelque chose de vraiment positif ensemble, basé sur les droits des femmes, la bienveillance, la transition écologique, tous les défis qui nous affrontent et créer vraiment de ce moment quelque chose où on pourra avancer de façon positive ensemble. Alors vous nous avez présenté plusieurs objectifs qui sont d'ailleurs affichés aujourd'hui sur votre chemise ou votre blouse. En trois mots, qu'est-ce qu'il en est et quels sont vos objectifs ? Alors, ce qu'on voit sur mon costume pour la journée du 8 mars qui célèbre les droits des femmes et qui exprime encore et toujours les revendications des femmes, c'est-à-dire une amélioration de leurs conditions, de leur rang, de leur retraite, de leur prise en considération pour une meilleure qualité de vie. Ça, c'est l'aspect femme-féminin qui est une composante importante de notre collectif. Déjà parce que la plupart des membres sont des femmes et également la plupart des membres ne sont pas dans un parti politique. Et alors, je fais partie de ces quelques-unes qui sont également actives dans un groupe politique, dans le cas présent les Verts. Ouais, les Verts, justement, parce que vous êtes ancienne conseillère communale verte. Une conseillère communale verte fait aussi partie de ce collectif. Élise Buckle, qui était là mais qui n'était pas présente à la séance, est-ce que c'est un soutien en faveur et en soutien de Élise Buckle ? Non, pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose où on voulait avoir un esprit d'ouverture pour les citoyens de Nyon. Et pour ça, il est hors de question que ça se situe autour d'une personne. Donc Élise Buckle fait partie de notre groupe, de cette activité. Mais l'activité est une activité d'ouverture envers tous ceux à Nyon. Et avec vraiment un désir d'avancer ensemble et d'avancer de façon positive ensemble. Vous avez été pourtant beaucoup plus revendicative lors de la séance. Vous avez dit que vous avez été scandalisée par la manière dont Élise Buckle a été traitée. Donc c'est bien d'elle dont on parle. Mais pas seulement. Il aurait pu s'agir d'une autre femme engagée en politique, municipale ou pas. Il s'agit de soutenir vraiment les femmes engagées aussi en politique, mais aussi engagées dans les activités extra-parlementaires. Ou bien alors les jeunes qui se sont lancés en politique, que ce soit dans un conseil officiel ou autre, et qui ont porté une vague, que ce soit verte, rose, violette, l'année passée, et qui attendaient beaucoup d'améliorations, beaucoup de réalisations, de projets pour le climat, pour le bien vivre ensemble, etc. Ouais. Vous nous avez dit que c'était une panne. Ouais. Mais une panne, pourquoi ? Parce que vous nous avez dit que c'était une vague de renouveau et que quelque part aujourd'hui, ces jeunes qui se sont engagés en politique n'osent pas dire certaines choses. Est-ce que c'est pas un peu réducteur finalement de considérer que ces jeunes-là aujourd'hui n'osent pas prendre leur place ? Ce n'est pas une question d'oser, d'après moi, c'est une question de pouvoir réaliser ses projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque dans tous les lieux de travail. Et ça, c'est peut-être une bonne chose de le répéter aussi, c'est que à Nyon, il n'est pas que question d'Élise Buckle, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont été touchés dans leur façon de pouvoir travailler, qui ont vécu des conditions de travail très, très, très difficiles. Et nous sommes aussi là pour être un mouvement citoyen qui soutient les gens dans leur travail et s'oppose aux conditions de travail qui comportent des harcèlements et des abus. Ce qui rejoint cette question des jeunes, parce qu'on peut dire quelque chose, on peut apporter une nouvelle idée en tant que jeune personne, en tant que nouvelle personne dans une organisation, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être écouté ou soutenu. Ouais. Et c'est dans le monde universitaire comme dans le monde politique. Moi, quand je suis arrivée avec une nouvelle idée, avec des nouvelles idées de recherche, quand j'étais une toute jeune, j'ai eu des papiers qui ont été rejetés 7-8 fois. C'est ce qui est quelque part normal aussi dans le temps de la politique. Hein. Dans vos objectifs, pour résumer, il y a, pardonnez-moi, Madame Tsog,
on ne peut plus attendre l'urgence climatique, mais aujourd'hui, dans vos objectifs, faire valoir le dialogue, promouvoir le bien-être, l'équité, la gestion saine des RH, la tolérance, on a quelque part l'impression qu'aujourd'hui, vous faites de la co-gestion, que vous dites à la politique comment faire une bonne politique. Non, nous sommes un mouvement citoyen, donc nous espérons être un mouvement citoyen. Pour l'instant, nous sommes très très peu, mais nous espérons être un forum, un lieu d'ouverture pour les citoyens, pour leur permettre de soutenir les politiques, pour leur permettre d'avoir un droit de regard et de soutenir justement les bonnes idées des oui, jeunes. Oui, appuyer des projets, éventuellement insuffler, inspirer, vraiment... permettre à ceux qui défendent des projets d'avancer, au lieu de se retrouver tout le temps bloqués par soit la lenteur des institutions, soit les réactions négatives des personnes en place qui ont du pouvoir, etc. Alors nous, on peut utiliser la force de ce mouvement pour vraiment faire avancer les bonnes causes.